One of them. Amen. Thank you.
Sfatare con il veleto, cosa ne salvare, odisi. Non so come si vede qua, per il caso di me. Le parte le cure, o di là, parlo qua. E me? Fait par l'ami que le chef d'œuvre épouse a été réalisé
au travers des âges de l'Église comme la vie. Amen. C'est au travers des âges que le chef de l'épouse a été réalisé. Dans la troisième demi-siècle, Jésus-Christ était en train de racheter, n'est-ce pas, les Juifs. Parce que toute la rédemption ne concernait que la dernière moitié de la 70e semaine. Amen. Donc, la rédemption tout entière, la rédemption qui devait commencer depuis la chute d'Adam, devait avoir lieu dans la dernière moitié de la 70e semaine. Lorsqu'on avait commencé la 70e semaine de Daniel, c'est Jésus-Christ qui est venu. Amen. Il a fait son ministère pendant 3 ans et demi pour racheter les Juifs à Dieu. En principe, les semaines ont été déterminées rien que pour les Juifs, pas pour nous. Amen. C'était pour les Juifs, pas pour nous. Mais il s'est fait que au travers de la 70e semaine, au milieu de la semaine, le Messie a été retranché. Et le retranchement du Messie, Daniel ne l'a pas vu. Tout ce que Daniel avait vu, c'était la dernière moitié. Pardon, la 70e semaine. Mais seulement que Daniel dit qu'au milieu de la semaine, le Messie a été retranché. Or, quand le Messie est retranché, il va où? Il va directement chez les gentils. Amen. Donc, là, le sage de l'Église, qui est le chef de votre épouse, n'est que quelque chose qui est dans la 70e semaine. Amen. Vous savez, quand on joue un match de football, la dernière partie du match, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est la fin que Jésus fait le moyen. Toutes les semaines étaient écoulées, mais la 70e semaine, c'était la semaine la plus importante dans la voiture. Le charge de la voiture. La 70e semaine était donc le dernier mi-temps, c'est là que s'est reposée toute l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi Daniel, dans tout ce qu'il avait vu, la chose qu'il avait intriguée, c'était la 70e semaine. Amen. Et beaucoup d'églises aujourd'hui dans le message, ils ne comprennent pas l'histoire de la rédemption par rapport à la 70e semaine. Le frère Branham dit ceci. Si vous manquez les 70 semaines de Daniel, il dit vous manquez les sous. Vous manquez les coups, vous manquez les trompettes, vous manquez les fléaux. Amen. Or, dans plusieurs églises du message, les 70 semaines de Daniel n'ont jamais été enseignées. Je me demande, qu'est-ce que les gens enseignent? Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un avec son livre de la rédemption, avec le livre scellé de 7 sceaux, il dit que j'attends l'enlèvement. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils ont manqué les 70 semaines de Daniel. Le frère Branham l'a bien dit clairement. Il dit, si vous manquez ça, vous manquez tout. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'épouse est enlevée au chapitre 4 d'Apocalypse. Le frère Branham dit que du chapitre 1 au chapitre 3, c'est l'église, n'est-ce pas? Mettons le chapitre 3. Du chapitre 4 au chapitre 19, c'est
d'Israël. Du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, c'est Israël et l'Église. Amen. Est-ce que le frère Branham nous a prêché un message qu'il a intitulé Israël et l'Église? Oui. Il y a tout un message intitulé Israël et l'Église. Au chapitre 19, 19 au 22, c'est Israël qui est une nation. Déjà, c'est Israël et l'Église. Parce que ici, c'est après le retour du livre de la rédemption. Mais ici, le livre de la rédemption n'était pas encore là. Parce que Dieu devait accomplir son chef épouse du premier au troisième chapitre. C'est-à-dire qu'ici là, nous sommes dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Amen. Or, là, c'est pour ça qu'il est descendu. Le frère Branham dit que c'est Apocalypse chapitre 10. Et Apocalypse chapitre 10 égale Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 10 égale Apocalypse chapitre 19. C'est la même chose. Mais Apocalypse chapitre 21, c'est la même chose. C'est le retour de la nuit. Et lorsque nous voyons la nuit descendre, cela veut dire que tout ce qui devait avoir lieu ici a déjà eu lieu. Or, vous allez entendre le chanteur dans le message chanter que j'ai regardé et j'ai vu mon nom dans le livre, mais qu'il attend avec moi. Pourquoi? Parce que les 70 semaines de Daniel ont été, ils ont manqué ça. Et le chef a été accompli là. Le frère Branham dit ici. Voyez l'homme l'apparence que cet homme devait avoir, ce qu'il devait être et comment il devait agir. Il voulait que cet homme soit une partie de lui. Et il l'a donc fait à son image et il l'a créé à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est l'esprit. N'est-ce pas? Dieu est l'esprit. Substance Christ qui est tiré, on a mis ça dans l'épouse. Et
cette épouse n'est rien d'autre que Christ lui-même. Amen. C'est ça le cinquième mystère, ma monsieur qui est ici. L'épouse, l'église en tant qu'épouse de Christ. Amen. Il a pris dans les côtés d'Adam cette côte dont il a formé Ève. De même, Dieu a fait la même chose en retirant du côté de Christ le sang et l'eau. C'est pourquoi le Père dit que je ne suis pas imité. Il dit que Jésus n'était pas un avec Dieu comme les doigts de la main. Et pourtant, ils étaient un. Et le Père dit que je ne suis pas aussi imité. Amen. C'est l'unité d'un seul Dieu dans un peuple. C'est compliqué. Il n'est pas unité, il n'est pas unité et il n'est pas aussi trinité. Mais il croit à la trinité de Dieu. C'est ce qui est compliqué. Dieu est dans ses fonctions. Amen. L'unité d'Adam et Ève, c'était que Adam, une parole, Ève était une partie d'Adam. Donc, Ève était Adam. C'est comme j'ai dit la fois dernière, quand Dieu a cherché, il dit Adam, Adam, où es-tu? Parce que même s'ils étaient séparés à deux, c'est Ève, c'est Adam que Dieu voyait. Voilà pourquoi l'épouse ne sera jamais sauvée si elle ne sort pas de Christ. C'est pourquoi nous parlons de la prédestination. Celui qui n'est pas prédestiné ne pourra jamais être sauvé. Voilà pourquoi dans le message, moi, j'ai adopté l'attitude de ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne croit pas le message, c'est parce qu'il n'est pas une semence. La pauvre personne ne peut rien faire, mais elle va prendre le message comment? Parce que quand vous avez cru à ce message, ce n'est pas vous-même. Vous pensez que c'est vous qui devenez à Dieu? Non. Personne ne vient à moi sans que mon Père m'attire premièrement. C'est Dieu qui nous attire. Quand Adam a chuté, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Quand on a dit que c'est Dieu qui est venu chercher Adam parce qu'il était son fils. Donc si quelqu'un n'est pas le fils de Dieu, ceci ne le concerne pas. Même s'il est dans le message de Frère Branham. Amen. Comme je l'ai la fois dernière, dans le message, tout le monde est prédestiné. Tu vois, j'ai donné un révélé prédestiné. We are the bride. Ils sont l'épouse. Mais ils n'ont pas le livre de la rédemption, mais ils ne sont pas encore mariés à Christ. Mais l'épouse, vous me dites maintenant, pourquoi 70 semaines de l'année par ailleurs? Une épouse sans mariage, ça existe où? Ça c'est contre nature déjà. La nature, déjà, avant que la parole puisse vous condamner, la nature vous condamne. L'épouse est mariée lorsqu'elle rencontre Boaz. Quand Ruth était en train de glaner, nous allons arriver à Ruth, parce qu'on ne peut pas parler de la rédemption sans Ruth. Quand Ruth était en train de glaner dans les champs de Boaz, elle n'était pas encore épouse. Lorsque Ruth est devenue épouse, elle a arrêté de glaner. Elle n'était plus servante. Elle a arrêté de glaner. Elle est devenue épouse dans la maison de Boaz. Elle a pris le nom de Boaz. Le pied de Boaz devenait le pied de Ruth. C'est l'histoire parfaite de la rédemption. Or, le champ de Boaz, c'est le sang de l'Église. Amen. Et Ruth est devenue épouse dans le sang de l'Église. Ça existe où? Ruth est en train de gagner le champ de Boaz, mais en même temps l'épouse. Même les types condamnent ça. N'est-ce pas, ça fait plus? Donc Ruth était en train de glaner lorsqu'elle n'avait pas encore l'identité de Boaz. Lorsque Ruth n'avait pas encore le livre de la rédemption. Lorsque Naomi n'était pas encore rachetée par Boaz. Là, Ruth était en train de glaner et Naomi vivait par rapport à ce que Ruth glanait. Vous voyez, il y a toujours une connexion entre l'Église et les Juifs. Parce que c'est Ruth qui faisait vivre Naomi. Naomi était là le soir, elle attendait que Ruth puisse ramener la nourriture. C'est pourquoi on a dit que les Juifs viendront ici pour chercher la nourriture. Le seul endroit où il y a la nourriture, c'est les Gentils. Parce que c'est Ruth qui faisait le glanage dans les champs de bois.
Mais avant de faire ça, il fallait d'abord Rachel. Donc avant que Ruth puisse devenir l'épouse de Boaz, elle devait d'abord être rachetée. Et lorsqu'elle est rachetée, finit le grainage dans les champs. C'est-à-dire que finit les âges de l'église. Parce qu'elle est déjà devenue l'épouse. Mais nous voyons l'épouse qui dit que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Et pour elle, les sept tonnerres, c'est le message même du frère. Amen. Parce que dans les sept tonnerres, c'est là qu'elle résidait tous les mystères. Tout ce que Dieu avait à sa pensée, il l'avait caché dans les tonnerres. Mais le message, on n'est pas encore, les tonnerres ne sont pas encore révélés. Mais l'épouse, il s'agit de la prédestination. Personne ne peut croire ceci s'il n'est pas prédestiné. C'est pourquoi le frère Balon hier dans les côtes de Dieu qu'on avait écouté à la maison. Il dit que quand la mère est écrite, il dit, les grands diront Amen. Amen. Jésus disait Seigneur, Amen. Jésus dit elle-même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Quand la parole de Dieu dirait que la nuée, c'est le retour de l'épouse et le pour, la semence de Dieu dira Amen. La raison pour laquelle les gens ont manqué la nuée, c'est parce qu'ils ont manqué les 70 semaines de Daniel. Parce que la nuée ne vient pas avant la clôture de la 70e semaine. Ça vient après. Or, la 70e semaine de Daniel, la dernière moitié, c'était le rachat des Juifs. C'est là que les Juifs devaient être ramenés. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu lui-même, c'est lui-même qui les avait aveuglés. Il est en train de faire le rachat, il arrête ça au milieu. Ce n'est pas elle. C'est pourquoi sur la croix il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il devait vraiment dire que Jésus était obligé de pardonner, c'est parce que c'est lui-même qui les avait appelés. Et maintenant, quand il revient, avant de faire les rachats, avant de ramener les livres de la rédemption, il devait d'abord accomplir la 70e semaine, sinon il serait manqué. Et il serait un Dieu injuste. Parce que le livre de la rédemption concernait toute la race d'Adam. Parce qu'on vient de lire Genèse chapitre 2. C'est depuis Adam que l'homme est tombé. Et depuis Adam, c'est toute la race humaine. Ce n'est pas simplement les juifs pour les gentils. Oh, le livre de la rédemption n'est pas descendu seulement pour les gentils. Et les juifs sont là à tout attendre. Non, c'est pour tout le monde. Mais avant de ramener le livre de la rédemption, pour racheter les biens d'Elimelec, amen, il fallait d'abord racheter les juifs. Il fallait d'abord que Naomi soit là. Parce que Naomi représentait la nation juive. Amen. Et de racheter de Ruth passait par Naomi. Boaz, en réalité, il ne voulait pas racheter l'héritage de Naomi. Non. Boaz n'en avait pas besoin. Ce que Boaz avait besoin, c'était Ruth qui l'épouse. Mais la condition pour avoir Ruth, comme Ruth était la femme de l'un des fils de Naomi, Boaz était obligé de racheter de Naomi. Parce que Ruth était déjà incluse, n'est-ce pas, dans la famille de Naomi. La condition était que tu dois racheter. Et il était tellement tombé amoureux de Ruth, il dit que non, je suis obligé de le faire. Il y avait un monsieur qui devait le faire et il a désisté. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Boaz prend la chaussure, il frappe. Amen. Quand il frappe la chaussure, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, Ruth et Naomi m'appartiennent. Je les ai rachetés. Vous comprenez? Pourquoi ça devait être les proches parents? Parce que si Boaz n'était pas inclus dans la famille Elimelec, il ne pouvait pas être à mesure de les racheter. Parce que les rachats, c'est ramener. Elimelec, pardon, comment il s'appelle? Boaz devait être dans la famille Elimelec pour racheter les histoires de Naomi. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ça veut dire que les mêmes parents rédempteurs de l'église et aussi les parents rédempteurs de Jésus. Et il prend la chaussure, il va pour montrer que le rachat a été accompli. Nous voyons aussi que, à notre temps aussi, lorsqu'il y a eu là-bas la réunion des dix rois, où le frère en parle, les sept ordres représentés par Kouchef, les sept ordres par Essénor. Le frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois.
celle de Gorbachev. C'était celle qu'on voyait qui vient du quoi? Khrouchtchev. Khrouchtchev. Femme enfin, à Khrouchtchev, ça veut dire argile. Il a pris sa chaussure, il a frappé sur la table. Femme enfin, dit, pourquoi la chaussure? Il dit pour vous dire, pour vous montrer que nous sommes autant de pieds. C'est la même chose avec Boaz. Boaz a pris sa chaussure pour frapper, pour signifier que les rachats pour le faire. Aussi ici, ils vont prendre la chaussure pour frapper, pour montrer que les rachats a pris faire. Frère Rami, pourquoi les pieds? Il dit parce que la pierre qui devait descendre, qui est le cinquième ouvreur, devait descendre pour écraser la statue au niveau du pied. Amen. Dès que ça frappe au niveau du pied, la statue doit descendre. Oh, cette statue-là représentait les âges de l'église. C'est pourquoi je dis la fois dernière que la pierre de fête n'est pas mise par les histoires des églises. La pierre de fête vient pour dévoiler. Parce que l'ouverture de ça, c'est le dévoilement de l'Antichrist, aussi la révélation de Jésus-Christ. C'est clair que ça, je le dis comment? Ça vient nous montrer qu'il ne s'agit pas de l'Église. Parce que les gens ont fait des églises quelque chose de constant. Amen. C'est comme si les histoires de Dieu se basent sur l'Église. Non, monsieur. Il s'agit de la rédemption. Il s'agit d'une rédemption personnelle parce que Adam était tombé. Amen. Le frère va continuer. Et quand nous sommes nés de lui, nous sommes remplis de lui, voyez, votre vie, sa vie est en vous. Donc, toutes nos actions devraient les faire connaître. C'est-à-dire que nous sommes devenus l'expression de la parole de Dieu sur la terre. Amen. Frère, c'est comme si on retirait la vie d'un certain arbre et qu'on la mettait dans un autre. Retirez la vie d'un poirier et mettez-le dans un poignet. Il portera des poids. Forcément, puisque la sève, la vie qui est à lui, le germe est celui d'un poirier. Quand on prend la vie de Christ, on met dans son épouse, l'épouse est carrément Christ, n'est-ce pas? Chère épouse, ça c'est nécessaire. Pourquoi? L'épouse doit-il être la parole manifestée? Exposé clairement, c'est parce que l'épouse et l'époux sont un. Elle est simplement un morceau qui s'est détaché de lui quand il a été frappé. Frère Branham dit que le jour que Jésus-Christ a été crucifié, les Juifs ne savaient pas qu'en ce moment-là, ils étaient en train d'accomplir la parole. Frère Branham dit que si les Juifs comprenaient, s'ils pouvaient comprendre, que la victoire de l'épouse ou la victoire de l'humanité résidait au niveau de quoi il n'allait pas crucifier Jésus. C'est pourquoi je dis toujours, Satan n'est pas intelligent. Amen. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Dieu l'a toujours déjoué depuis la nuit du temps. Depuis la chute là-bas, quand il avait fait ça, c'est Dieu qui voulait manifester ses attributs. Amen. Satan lui pensait que la terre lui appartenait. Il y a un élément qu'on m'avait envoyé. Une chanson de Johnny Hallyday. Voilà la représentation de Satan sur la terre. Mais monsieur la chante vraiment une chanson pour dire qu'il est le fils de Lucifer. Le Seigneur est maître de la terre. Quand vous pleurez, moi je regarde. Soyez maudits devant les mères. Moi, je disais, moi, je pensais que c'était la blague. J'ai mis ça sur YouTube. Il chante ça ouvertement. Quand vous pleurez, moi, je rigole. Après, il dit, soyez maudits dans ma demeure. Il pense qu'il est le Seigneur et le maître de la terre. Amen. Or, ce n'est pas lui. Le Seigneur, c'est celui qui a créé la chose. Satan, depuis là, il pensait de jouer Dieu. Oh, Dieu voulait manifester sa tribu. Et jusqu'aujourd'hui, il pense que je jouer Dieu. Mais il ne pourra pas. Amen. Chers frères, ça c'est mon seul. Michel-Ange ne pouvait pas les reproduire de nouveau. Il ne pouvait pas les remettre en place. Mais Dieu, lui, il va les faire. Il va ramener la petite épouse qui a été frappée. Tout droit au côté.
volonté de la parole originelle. Et le voilà, voilà le chef d'œuvre, la famille de retour dans le jardin d'Éden. Amen. C'est-à-dire, quand on dit qu'on la ramène, c'est comme Adam, et pardon, Abraham. Lorsqu'il est parti chez Elimelech, il donne sa femme Elimelech à Abimelech. Dieu est parti voir Abimelech, il dit qu'il restitue la femme de toi. Il dit non, mais c'est monsieur m'a dit que c'est sa soeur. Il dit non, c'est sa femme. Voilà pourquoi je viens te voir. Restitue sa femme. On devait ramener maintenant. Sarah, Abraham. C'est ça la vie. Amen. Femme Abraham dit maintenant. Et le voilà le chef d'œuvre. La famille de retour dans le jardin d'Éden. Comme je l'ai dit, que le chef d'œuvre s'est passé dans les âges de l'Église. Après les âges de l'Église, c'est fini. Les frères nous ont dit que les âges de l'Église c'était déjà terminé. Pourquoi? Parce qu'il y avait six phases de la lune. Au lieu de sept, il y en avait les six. Le frère Branham dit pourquoi il n'y avait pas la septième phase. Il dit c'est parce que c'était la fin de l'âge de la Odyssée. Le frère Branham dit pourquoi on ne pouvait pas voir ça. Il dit parce que c'était le blackout. C'était les ténèbres totales. Frère, j'ai toujours dit ça. Qu'est-ce qui fait l'âge de l'Église? C'est le messager. Le messager est la lumière de l'âge. Et si le messager quitte l'âge, cela veut dire qu'il ne reste plus rien. Quand Dieu retire le message, c'est fini. C'est lui qui est la lumière. C'est-à-dire que les gens pouvaient espérer à l'âge de l'Odyssée jusqu'au moins en 67. Et si le frère Branham est retiré, lui qui est la lumière de l'âge, qu'attendez-vous encore? C'est fini. On ne peut pas être à l'âge de l'Odyssée sans le messager qui va nous conduire. En fait, plus le fait, c'est que nous avons le message. Ça ne va pas marcher. Non. C'est pourquoi le Père Christ lui-même est descendu. Il a pris la manette. Amen. Pas de l'âge de la Odyssée, parce que le messager n'est plus là. Or, le messager qui est la lumière, lorsqu'il est porté de l'âge, c'est les ténèbres qui restent. Et puis c'est fini. Cela prouve, ceci prouve que l'âge de la Odyssée a déjà pu faire et que le chef a été accompli déjà. Et que le rachat a été accompli pour les gentils. Le rachat pour les juifs a été accompli. Les 144 000 ont été appelés dans le dernier morceau, dans la dernière partie de la 70e semaine. La tribulation a eu lieu là. Amen. Et le pouce est enlevé là. Parce que durant le troisième délit, n'est-ce pas, il y a la tribulation. Tribulation. Il y a l'enlèvement. Il y a l'appel des 144 000. N'est-ce pas, frère Passé? Tout se passe là. Parce que ça, c'était la dernière carte qui devait être jouée. Et ici, la femme a dit que la vierge folle devait payer par son propre sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de sang ici. Le sang, c'était quoi? Le sang était le messager, chaque messager dans chaque âge de l'Église. C'était ça le sang. Si vous vous identifiez à ce messager-là, c'est ce qu'on appelle le signe du sang au niveau de la poitrine. Et quand l'âge de la mort passe, il ne va plus vous frapper. Parce que vous vous identifiez au messager qui est le sang, la vie dans l'âge. Mais dans l'âge de la Odyssée, celui qui est le sang n'est plus là. Comment pensez-vous que l'âge de l'Église va vous épargner? Non. Amen. Et lorsqu'on arrive à la fin ici, et que ce messager quitte la scène, c'est fini pour l'âge de la Odyssée. Le chef d'œuvre est terminé. Amen. Dans le message qu'on va convenir, il faut bien dire ceci. Et vous pouvez vous représenter le soir. Après le coucher du soleil, il allait se coucher. Se coucher là. Se couchant là, loin à l'ouest, et ce rayon de lumière descendant au travers de ces grands arbres aux feuilles toujours vertes. Le feuille était toujours vert, parce que le feuille va indiquer avant ça, rien ne mourait. Parce que quand le feuille des arbres jaunis,
c'est la mort qui s'installe. Mais avant la chute, il n'y avait pas de mort. Frère Branham dit que le feu était toujours vert. Il n'y avait rien qui mourait. Le frère Branham dit, il y a un frère qui m'avait dit qu'il n'y avait même pas les épines. Je ne sais pas si le frère Branham l'a dit. Mais il dit que voilà, la sentence c'était que la terre produira des ronces et des épines. Amen. Il n'y avait pas de feuilles sèches dans le jardin de Dieu. Tout était vert. Et le frère Branham dit, c'était la grande cathédrale de Dieu. Et on entend un rugissement de ses coups de vent à travers le sommet des arbres. Adam et Ève étaient assis là dans le jardin, dans la grande cathédrale de Dieu, en train de communier avec Dieu. C'est la chose qui a été posée, la communion. C'est Adam qui était dans la cathédrale de Dieu. La cathédrale de Dieu, ce n'était pas une église comme celle-ci. La cathédrale de Dieu, c'était sous l'arbre. Quel arbre? Arbre de vie. Mais c'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Frère Marie dit que Dieu nous rencontrera dans ce lieu d'adoration-là. Amen. En dehors de ce lieu d'adoration, il y a point d'adoration. Parce que Malachi, quand il est venu, rétablit l'autel. Pourquoi l'autel? L'autel, c'est pour l'adoration. La chose qui a été brisée dans le jardin d'Eden, Malachi 4 devait revenir. Voilà pourquoi on dit que Malachi 4 c'est le plus grand de tous les prophètes. Amen. Frère, si on n'a pas un prophète, on est perdu. Frère, sans prophète, on est perdu. J'ai suivi un élément là. Une église aux États-Unis, il prie avec les serpents. Il prend les serpents. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il prend les serpents comme ça dans l'église. Ils sont en train de danser, ils chantent avec les serpents. Oh, mais pourquoi vous amenez les serpents à l'église? Il dit parce que la Bible dit, vous toucherez les serpents. Vous boirez les boissons et les comment? Des breuvages montés qui ne vous feront qu'un mal. Vous voyez l'interprétation? Et là, ce pasteur biblique là a poussé les gens à amener les serpents de l'église. Le premier pasteur a été mordu par les serpents. On l'a éclairé à l'hôpital, il refuse. Quand ça commençait à s'aggraver, on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Quel mousoba! C'est-à-dire que tout celui qui n'a pas le prophète, un prophète, il fait le bêtise. Et le deuxième pasteur aussi, il a été mordu par les serpents. Il est aussi mort. Et le troisième aussi, il continue avec ça. Ah! Et ils sont convaincus. Même si la Bible dit ça, mais l'exemple est dans la Bible. Paul, qu'est-ce qui se passe avec Paul? Paul, il est en train de prêcher et les serpents sont venus vers Paul. Ce n'est pas Paul qui est parti chercher les serpents. Si tu vas chercher les serpents vont te mordre, tu vas mourir. Tu sais, la fin des Paul, les gens vont devenir des païens. Ils vont dire qu'on a déjà perdu deux pasteurs. On veut perdre notre troisième pasteur, par exemple. Ils vont dire que non. C'est que ce que Dieu a dit, c'est faux. Donc Dieu n'existe pas, ils vont devenir des païens à cause d'une mauvaise compréhension. C'est ça que les gens font dans le message. Ils attendent un enlèvement dont le frère Branham était le précurseur. Ils attendent un Jésus dont le frère Branham devait présenter. Finalement, ils diront que Dieu nous a menti. Jésus n'est pas venu. C'est ce que l'autre avait dit, non? Branham pensait être Jean-Baptiste et il est parti, Jésus n'est pas venu. Il a raison. Comment pouvez-vous attendre les rachats, vous parlez du rachat pendant que les livres descendent? Non. Pourquoi? Les gens disent qu'on a reçu le frère Branham, mais ils ne sont pas en mesure de croire que c'est le frère Branham. C'est pourquoi le frère Branham, c'est notre absolu. En dehors du frère Branham, frère, c'est la mort. Moi, non, j'ai un cantique qu'un frère avait chanté. C'est le pasteur Capel. J'ai du mal à avaler ce que Branham n'a pas dit. Frère, moi, ce que Branham n'a pas dit, je n'avale pas. Non. Parce que j'aurais le message, on a beaucoup de courage. Chaque personne qui vend ses mots. On prend ça, on met dans le message. Ça ne tarde pas poubelle. Amen. La seule personne qui a été envoyée comme absolue, c'est le frère Branham. Adam et Ève étaient assis là dans le jardin, dans la grande cathédrale de Dieu, en train de communier avec Dieu. Tout le monde désire faire ça.
Chaque chrétien éprouve un ardent désir d'avoir communion, n'est-ce pas vrai? Je vais aller vite. Il a dit la même question. Je suis Jésus, il était venu de la colonne de feu. Ça, je souviens. Il était fait de chair, il a habité parmi nous. Et il est retourné à la colonne de feu, une lumière. C'est la lumière qui visitait Adam. La même lumière est venue. C'est le même qui est entré dans la prison avec Pierre. Et après sortir Pierre, il a marché devant lui, a ouvert les portes et l'a fait sortir. Maintenant, si c'est la même chose que cela avait accompli lorsque cela se trouvait en lui, car il a dit encore un peu de temps, les morts ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, vous ferez aussi les œuvres que je fais, vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Le Fabien dit que les œuvres que je fais, Jean 14 dit, je sais que vous croyez tous à ça, mais c'est moi qui est concerné. C'est-à-dire lui, le frère Barak. Il dit, en d'autres termes, les corps de chair, les fils ne pouvaient pas entrer dans chaque personne. Vous voyez? Les fils, comment? Il est là. Dans la chair, quand il était là, il ne pouvait pas entrer dans chaque personne. C'est ça que vous avez dit. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui peut revenir. Parce que c'est Dieu qui descend partant de la colonne de feu. Toute personne qui touchait la montagne devait être tuée. Transpercé par une épée. Ensuite, il est devenu un homme. Il a vécu parmi nous. On l'a touché, on l'a cru en lui. Il a été crucifié pour nous, pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Ensuite, au travers de son sang innocent, nous sommes purifiés afin que Dieu puisse entrer en nous et communier avec nous. Le Dieu que vous priez, il est en vous. Parce que Dieu est en train de faire son chemin pour revenir à l'homme. C'est ce qu'il désire. C'est Dieu qui se fait un chemin de retour pour communier avec les enfants d'Adam. Comme il le faisait avec Adam avant la chute. Et nous sommes rachetés de toute la malédiction de la chute. Et maintenant, nous avons les gages de notre salut. Pour terminer, l'unité. Eh bien, elle est unie avant qu'elle ne brise une parole. Ou plutôt qu'elle ne doute d'une parole comme avant de lui étant vrai. C'est là que c'est pas là, c'est pas là. Chaque parole, l'homme ne voit pas les pains seulement, mais les toutes la parole. Nous pouvons alors être unis en Dieu, car Adam et Ève, avant la chute, avant de douter de la parole, étaient une image de ce que nous devons être en lui. Être unis à lui, c'est la vie. Être séparé de lui, c'est la mort. Eh bien, si nous obéissons à ces commandements, déjà quelqu'un m'a dit, frère Banan, n'êtes-vous pas unitaire? Écoutez, pas unitaire en tant qu'organisation, mais je suis un avec le Christ. Mais pas unitaire en tant qu'organisation. Il permet d'être du péché en vue d'établir une unité entre Dieu et l'homme. Jésus ne pouvait pas le faire aussi longtemps qu'il était ici dans ses corps de chair. Amen. Aussi devait-il devenir les sacrifices parfaits du parfait afin d'ôter la culpabilité du croyant. Voyez-vous, ôter cela afin que le Saint-Esprit puisse entrer dans l'homme et faire de l'homme et Dieu soit encore dans l'unité. Vous voyez, quelque chose devait être rétabli. Amen. Ah, je lis seulement la partie à gauche, je veux que tu conclues. Voyez, le seul moyen par lequel l'homme pouvait être ramené dans sa condition originelle était que cette peine du péché soit subie. Amen. Luc. Eh bien, l'essentiel c'est d'éteindre le niveau où toute tâche du péché est ôtée. Alors, vous êtes racheté par le sang de l'agneau. Vous êtes un Adam, comme il était avant la chute. Vous croyez ça? Vous êtes un fils de Dieu, lavé le sang de Dieu, son propre sang. Faut dire que nous sommes rachetés, nous sommes comme Adam, comme il était avant la chute. Aujourd'hui, nous sommes parfaits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le jour de la rédemption est là. Pour chaque semaine, je chante pour Dieu. Les peurs des hommes, des failles et des peurs, soient remplis de l'esprit, ta lampe les éclaire, regarde.
Pour